Si vous êtes à l'affût un peu sur les réseaux sociaux, vous aurez compris qu'il y aurait une deuxième saison de 13 Reasons Why. Puis j'avais envie de vous en parler parce que ça me fait vraiment chier. Ça me fait vraiment chier que le gouvernement veuille éradiquer ça de toutes les écoles, de tous les élèves. Ils veulent vraiment mettre ça sous silence. Puis oh, c'est good, hein? On est correct. Vous savez c'est quoi le problème là-dedans? En mettant sous silence ça, c'est mettre ça sous tabou, puis c'est justement ça qu'il faut pas faire, OK? Justement, les problèmes d'intimidation, faut en parler. Puis je pense que 13 Reasons Why, c'est la meilleure manière d'en aborder le sujet. Je vous cacherai pas si vous l'avez pas encore vu, c'est très difficile à regarder, mais my God, c'est la vérité. Genre, oui, c'est romancé, c'est exagéré, mais c'est la vérité quand même. Il y a vraiment des jeunes qui se retrouvent dans cette situation-là, puis c'est vraiment pas drôle. Pourquoi vous voulez mettre sous tabou 13 Reasons Why, quand on aurait pu mettre sous tabou rapide et dangereux? Je veux dire, rapide et dangereux, ça pousse les jeunes à conduire plus vite. Pourquoi on l'a pas arrêté? C'est justement ce que je me suis dit. Consciemment, je suis certain que ça l'a ouvert les yeux à plein de gens. Puis honnêtement, je trouve cette série-là extrêmement bonne. Donc voilà. C'est pas mal tout ce que je voulais dire. Fait que, monsieur le gouvernement, bloquez pas cette série-là, sinon... Ben, moi, je quitte le Québec, ouais. Bon, je m'en vais à la maison. J'avais juste envie de vous parler avec un beau paysage. Fait que c'est pour ça que je vous ai amené ici. Mais sinon, dimanche qui s'en vient, c'est le gala artiste. Puis j'avais juste envie de vous montrer qu'est-ce que j'allais porter. Fait que, on se retourne à la maison pour que je vous montre ça. Comment il fait aussi frais pour un mois de mai, honnêtement, là. Genre, je sais que les années passées, il y avait de la neige, mais là, ça fait comme 4 ans qu'il n'y a plus de neige, mais qu'il faisait chaud. Puis là, il fait genre 9, man. J'étais curé, là, pour vrai. So day after day. Jam, jam, jam. Pour le gala artiste, j'avais envie de m'habiller genre tout en blanc. Goodbye. Sauf que le seul problème, c'est que de 1, j'avais pas de budget. De 2, ça allait être laid. En gros, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais vous l'expliquer bien vite. Je voulais mettre des jeans blancs, genre avec des trous ici. Une chemise blanche, ben à collet chinois, genre pas de collet. Une cravate blanc, avec des souliers blancs. Ma mère m'a regardé pis elle a fait... Ça va être laid à chier, Will. Fait qu'on a cancellé le projet. Mais au final, le thème en blanc, il est quand même resté. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Bougez pas. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ok, ta gueule, ouais. Pour ceux qui se demandent, tout vient de Zara, sauf le petit chandail là qui vient de Jack and Jones, puis les souliers qui viennent de Foot Talkers. C'est à quoi je vais ressembler au gala artiste. Asti que je suis cool. Ok, pour tous ceux qui se demandent comment rouler ses pants, je vais vous le montrer maintenant. Retenez-le, ok? À la base, là, votre pantalon, il est comme ça, ok? Vous le remontez un peu, vous prenez ça, vous mettez votre doigt, vous le squeezez, là, genre comme un élastique que vous avez en bas de vos sweatpants de BS. Fait que là, vous le tournez comme ça, là, tu montes ça, tu fais le tour, puis tout ce que t'as à faire, c'est pas de le lâcher, puis le tourner comme ça. Fait qu'en gros, dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ok, ma soeur vient d'arriver, je vais essayer de faire peur. On va essayer. Non? Non. Non, mais ouvre! J'ai laissé l'araignée, hein? Où ça? Dans le coin de la porte. Ça compte pas, ça. Ah! Je t'ai dit, c'est toi qui a chié sa serviette? Man, c'est vraiment du caca, ça! C'est dégueulasse! Je suis sûr que c'est toi, parce que c'est toi qui fais ça! De quoi? Moi, je. Ok, moi, je chie ses serviettes, hosti! Genre, je me dis, ok, ma chie ses serviettes. Arrête! Ils sont recalés avec tes céréales. Arrête! Arrête! T'as pas le droit de ça. Je suis juste pogné mon. T'as pas le droit! De quoi? Arrête de me. Pas le droit de quoi? Mais je te filme même pas! Céréales. Mais. T'as-tu vu le poste de la fille qui collectionne les condoms? Non. La fille là, petite partenaire sexuelle là, elle garde des condoms, elle affiche une photo avec un condom dans sa chambre qui pend. Il meurt et rempli! Ok, mais t'as-tu une photo? Ouais, sur mon ciel, parce que Olivier Primo là, c'est le pont. Elle accroche les préservatifs de ses partenaires sur son mur après l'acte. C'est des condoms. Ok, mais après ça, le gars qui rentre genre dans la chambre, c'est-tu lui? Non, ça dit que les gens ils payent. Check! Va jusqu'à payer environ 50 euros pour en récupérer avec un bonus. Il y a une photo. Les gens lui envoient par la poste un condom. Mais c'est pas ça que tu faisais, toi? Ben oui, tout le monde fait ça. Ah, mais c'est ça. Ok, je m'en vais au gym. Bonne chance.
Déjà la vidéo, n'hésite pas de rajouter un j'aime, de t'abonner et surtout de la partager sur tes réseaux sociaux. Ah, puis moi je vous laisse avec une compilation de beer punk que j'ai faite aujourd'hui parce que, ah ouais, j'ai quand même fait quelque chose de ma journée là. Shine, 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 blue sky.